Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'UICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour Moustapha, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast « Les rendez-vous de la conservation ». Moustapha, vous êtes le coordinateur national de l'ONG Burkina Djigui au Burkina Faso. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de votre parcours, de votre ONG et plus particulièrement d'éducation environnementale. Moustapha, pour démarrer notre entretien, est-ce que vous pourriez brièvement vous présenter et nous expliquer un peu comment vous êtes tombé dans l'éducation environnementale? Okay, merci beaucoup Hélène et merci beaucoup à toute l'équipe Youth Conservation pour cette opportunité de pouvoir parler de l'association Burkina Djigui. Tout d'abord, je suis Kanfo Moustapha, je suis fondateur et coordonnateur national de Burkina Djigui. Par ailleurs, je suis étudiant à l'Université de Lorraine en France pour l'ingénierie financière des marchés, à laquelle je consacre mes travaux sur la finance verte, un peu de pouvoir lier ce que j'ai comme formation professionnelle et aussi formation académique. D'accord. Comment est-ce qu'on est arrivé à l'éducation environnementale? Il faut dire que notre association, on l'a créée en 2020. C'est assorti effectivement d'une longue réflexion qui était de combler ce vide-là qui existait à l'époque, qui était un besoin fondamental pour des pays comme le Burkina Faso, qui est un pays sahélien. On s'est dit qu'il était important d'apporter une touche particulière à ce domaine-là. En tant que jeunes, on s'est réunis et on a mis en place Burkina Djigui qui va répondre effectivement à ce volet-là. Et comme vous le voyez, Burkina Djigui, c'est un nom originel tiré des tiroirs. Djigui, c'est une expression en langue local, Djula, qui veut dire espoir. Donc, en tant que jeune, on s'est dit que non, chaque jeune, c'est l'espoir de son pays. Donc, Burkina Djigui, c'est l'espoir du Burkina Faso. Donc, voici comment est-ce que on a décidé de d'œuvrer en tant que jeune pour apporter au Burkina Faso un développement, mais pas n'importe lequel, un développement durable. D'accord, très intéressant. Et donc aujourd'hui, vous portez notamment des missions en matière d'éducation environnementale? Pardon, je n'ai pas entendu la question, s'il vous plaît. Pas de souci. Aujourd'hui, vous avez plus spécifiquement des missions en matière d'éducation environnementale sur le terrain auprès des enfants et des jeunes? Évidemment, aujourd'hui, il faut dire que le plan d'action que nous avons élaboré pour 2024 a été beaucoup plus structuré et orienté sur l'éducation environnementale, qui était aussi une touche particulière dans tout ce que nous faisons au niveau du Burkina Djigui, c'est d'apporter une nouvelle manière, une autre façon de voir les choses. Donc, nous avons été jeunes et nous avons attendu à un moment donné de pouvoir s'engager sur le plan civique à faire des actions citoyennes. Du coup, une réflexion nous est venue. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas initier ce que nous n'avons pas eu dans nos écoles à l'époque, à notre bas âge? Pourquoi ne pas initier ça et commencer même la sensibilisation à partir des écoles, je veux dire des enfants de 7 à 17 ans environ. Donc, on a structuré ça comme notre axe principal pour notre programme d'activité 2024. Donc, raison pour laquelle on a, vous avez vu sur le terrain, on a fait des projets au niveau de l'éducation environnementale dans les écoles qui consistait premièrement à recruter des bénévoles sur le plan national
et les former, faire de telle sorte qu'ils puissent intervenir chacun puisse impacter sa localité en intervenant effectivement dans les écoles avec la collaboration de toutes les parties prenantes pour initier ces enfants-là, pour inculquer les valeurs de préservation de l'environnement, de la biodiversité. D'accord, très intéressant. Et si on regarde un peu le Burkina Faso aujourd'hui, c'est quoi les grands défis environnementaux? Il faut dire que les défis environnementaux liés beaucoup plus, je vais parler ici à l'éducation environnementale, parce que c'est ce que nous rencontrons effectivement sur le terrain, c'est qu'il faut parler en termes d'enjeux locaux, il faut parler de la sensibilisation et éducation des habitants locaux, parce que nous, on intervient beaucoup plus localement. Nous avons sur le plan national au niveau de Burkina Faso, nous avons 17 coordinations provinciales qui interviennent auprès de la population locale, qui font remonter effectivement ces enjeux-là que nous remarquons, qui est même la sensibilisation comment on appelle ça, de l'éducation environnementale aux habitants locaux, notamment les femmes et les jeunes, qui, jusqu'à présent, ne cernent pas exactement ce que c'est que l'éducation environnementale. Il y a aussi l'implication des acteurs locaux. Comme enjeu, l'implication des acteurs locaux, c'est quoi exactement dans la gestion durable de l'environnement? Vous voyez les autorités locales, les entreprises, les organisations non gouvernementales comme la nôtre, comment on appelle ça, et la société civile, pour les amener effectivement à collaborer, pour mettre en place des initiatives et des actions concrètes visant effectivement à protéger l'environnement. Il y a aussi la promotion de l'adoption, comment on appelle ça, de la pratique écologique. Actuellement, nous avons été pendant longtemps, on a eu des actions, on a des comportements qui sont souvent très difficiles à délaisser au profit de nouvelles actions. Et ça aussi, c'est un enjeu au niveau local au Burkina Guinée. Il y a aussi assurer comment on appelle ça, pouvoir transmettre en matière de savoir et de savoir-faire locaux, qui sont aussi des volets importants à prendre en compte. Parce que quand il faut intervenir localement, il faut chaque localité a ses savoirs et ses savoir-faire en matière d'éducation environnementale. Bien sûr. C'est pas nouveau dans ces localités-là. Donc, il faut savoir converger et déjà ce qui existe et adapter et voir quel mécanisme il faut faire pour cette transmission. Et de façon générale, on va parler de la sensibilisation des populations. Parce que quand on parle d'éducation environnementale, effectivement, on se focalise sur les enfants, mais les enfants sont aussi coachés, que ce soit à l'école ou dans la société. Donc, il faut que toute la société soit impliquée pour qu'on puisse avoir un impact de façon générale. Bien sûr. Et est-ce qu'au quotidien, pour mener vos actions en tant que bénévole, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Bon, des difficultés, comme toute activité, il y en a beaucoup. On essaie de faire avec sur le terrain, sinon il y a beaucoup de difficultés, mais nous pouvons citer entre autres le manque de compétences et de formation. C'est un volet très important parce que si vous remarquez, quand on prend l'éducation environnementale, c'est un volet dans lequel il y a beaucoup plus de sensibilisation, mais aussi de pratique. Alors que s'il faut sensibiliser, il faut que toi, en tant que bénévole, en tant que volontaire, il faut que tu sois dûment formé et avoir des compétences nécessaires. Et souvent, on manque ces compétences-là parce qu'il n'y a pas une formation comme ça derrière et des suivis pour ces âmes qui veulent faire du bénévolat, ouais, et pouvoir accompagner aussi et impacter localement. Il y a le manque aussi de coordination entre les acteurs. Vous allez voir, au Burkina Faso, on compte plus d'une trentaine d'associations comme la nôtre qui intervient dans le développement durable de façon générale, mais chacun mène ses actions de façon individuelle. On s'est dit que non, il y a manque de, comment on appelle ça, de cohésion, De communication et de effectivement, coordination, ouais. de mettre ensemble nos forces pour pouvoir impacter très nettement et positivement.
Donc ça, c'est une difficulté aussi qu'on rencontre, qui font que voilà, si vous menez la bataille à rang dispersé, c'est sûr que voilà, il va falloir lever les actions de l'autre pour mettre ces actions, c'est compliqué. Il y a surtout le manque de financement. Ça, nous, à notre niveau, il faut le dire, depuis que nous existons en 2020 et que nous faisons nos activités, vous pouvez voir sur la page, sur nos différentes plateformes, nous avons mené des activités qui ont eu beaucoup d'impact, nettement positif. Mais jusqu'à présent, je crois que, on a eu qu'un seul projet qu'on a fait en collaboration avec la UIF. Tout le reste, c'est en fonds propres. Donc, ça fait que quand c'est du bénévolat et que c'est du volontariat, à un moment donné, ça devient compliqué de s'investir soi-même et aussi mobiliser ses propres ressources pour concrétiser des activités. Donc, ce volet-là, c'est un volet très, très, très important pour nous. Et le manque de financement, c'est une difficulté qu'on rencontre permanemment dans toutes nos activités, quel que soit ce qu'on veut, on veut faire. Oui, qui peut vous Donc, limiter, effectivement. il y a la difficulté aussi, pardonnez, excusez-moi de vous interrompre, il y a la difficulté aussi qui est particulière au Burkina Faso, c'est la difficulté d'accès aux populations cibles. Actuellement, le Burkina Faso connaît une situation un peu particulière due au terrorisme que tout le monde voit. Ça fait il y a beaucoup de localités et nous l'avons remarqué avec notre projet éducation environnementale qu'on a mis en place tout récemment, où est-ce qu'on a pu, sur le plan national, mobiliser 29 volontaires et 69 volontaires, autant pour moi, qu'on a formés en ligne. Mais la mise en œuvre sur le terrain a causé un souci parce que il y a ce phénomène-là du terrorisme qui fait qu'on ne peut pas avoir accès à notre population cible. Okay. Oui, effectivement, on imagine vos difficultés et la difficulté de certains bénévoles dans des zones compliquées. Oui, effectivement, dans les zones un peu reculées, oui. Mais malgré ces difficultés, Moustapha, vous avez un peu de recul maintenant depuis 2020. Est-ce que vous voyez quand même des impacts sur le terrain, notamment sur les jeunes et puis de façon plus globale sur les communautés qui sont très impliquées, comme vous le disiez? Oui, ça c'est l'impact il est positif et nettement visible quand on prend par exemple sur les enfants. On a vu que depuis que nous intervenons sur ce volet-là et qu'on s'intéresse beaucoup plus aux jeunes, on voit que ça permet aux enfants et aux jeunes de façon générale de prendre conscience des enjeux et des défis liés à l'environnement. Comme le changement climatique, la déforestation, la pollution, etc. Donc, il y a aussi ce qu'on peut remarquer quand on intervient sur le terrain, on voit aussi un développement de l'empathie. Vous voyez, en apprenant effectivement sur l'environnement et les espèces animales en danger, on voit que les enfants développent de l'empathie, un sentiment envers la nature, envers les êtres vivants et qui les entourent. Il y a aussi l'acquisition des connaissances, parce que nous avons des retours de certains parents d'élèves qui nous contactent à travers notre page Facebook notamment, souvent pour dire que, mon enfant, depuis qu'il a suivi votre formation sur telle thématique, a des connaissances, il ne cesse de parler de l'environnement, il ne cesse de parler de tel et tel, comment on appelle ça, il aborde beaucoup plus tel et tel sujet, on discute, mais on voit que c'est des choses comme ça qu'on peut mesurer et voir que c'est un impact positif pour nous. Il y a aussi le développement de compétences pratiques, et ça, je parle dans le cadre des activités qu'on mène. Pour l'éducation environnementale, comme souvent le recyclage, qu'on en parle, la sensibilisation à la préservation de la nature, et ça développe des compétences qui font que la plupart des enfants s'adonnent à leur temps, comment on appelle ça, disponible à des activités comme par exemple le ramassage des sachets, le recyclage, ainsi de suite, il y a tout un mécanisme. Il y a aussi le fait que ça encourage. Après nos interventions, on voit que non, la plupart des jeunes s'adonnent à l'engagement citoyen parce que, il faut le dire, en sensibilisant les enfants et les jeunes aux enjeux environnementaux, l'éducation environnementale, on les encourage effectivement à s'engager activement pour la protection de l'environnement. Et on voit que dans la plupart des associations de ce sens, les adhésions, même au sein de Burkina Guigui, depuis qu'on a commencé ça, on ne cesse de recevoir
voilà, des nouvelles adhésions, des uns qui sont prêts pour cette cause-là. Il y a aussi sur le plan communautaire l'amélioration de la santé parce que l'éducation environnementale incite souvent aux enfants et aux jeunes d'adopter des comportements plus respectueux de l'environnement, comme manger de manière plus saine, pratiquer des activités physiques, ainsi de suite. Et il y a la compréhension, quand on prend de façon générale, la préparation aussi à l'avenir, parce qu'on oublie souvent les activités, voilà, qu'on peut mener de façon professionnelle aussi dans ce sens-là. Hormis ce que les enfants connaissent quand ils sont à l'école, ils ont déjà des idées du métier qu'ils veulent faire dans le futur. Mais nous ici, on ouvre une parenthèse dans nos formations pour les faire comprendre qu'en réalité, on peut aussi gagner sa vie, comme on le dit, en menant des actions aussi dans le sens de la protection de l'environnement. Ouais, donc Donc c'est voici entre autres tous des les impacts. actions qui sont... Ouais. On voit, non, mais on voit des nombreux impacts à la fois sur, enfin, sur les enfants et qui derrière vont faire boule de neige et qui vont toucher toute la communauté dans son ensemble. Donc bravo, bravo à vous, Mustapha, et puis évidemment à tous les bénévoles de Burkina Djigui pour ces beaux résultats. Je voulais revenir juste sur vous avez mené par le passé, quelques actions en vous servant des ressources de Youth Conservation qu'on trouve sur la plateforme. Comment vous en êtes servi de ces ressources et est-ce qu'elles vous ont aidé à mener à bien vos activités de sensibilisation? Oui, ça, il faut le souligner. Les ressources de Youth Conservation nous ont beaucoup aidés, effectivement, dans nos activités. Et ça, à titre d'exemple, nous avons l'usage de la plateforme et surtout les modules qui sont disponibles. Déjà, je conseille à toute personne qui veut avoir, ne serait-ce que les béaba de l'éducation environnementale jusqu'à la mise en œuvre des actions similaires. De consulter cette plateforme-là. Nous en avons tiré beaucoup de profit et toutes nos formations qu'on a eu à faire sur l'éducation environnementale, c'était à la base des modules de Youth Conservation. Et dans toutes les écoles où on a eu à intervenir, on a laissé le module comme une source pour pouvoir pérenniser effectivement cette formation-là auprès des responsables, bien sûr, des enseignants qui s'en ont accaparés, qui ont fait des manuels où on peut glisser effectivement des notions d'éducation environnementale dans ce qu'ils enseignent dans ces écoles-là. Donc, il faut dire que et d'ailleurs, c'est des modules qui sont conçus avec un français adapté, voilà, pour les enfants, et très facile, aussi avec des images à l'appui, très facile à comprendre. Je peux dire que franchement, nous avons apprécié, et la plateforme, c'est une plateforme vivante qui est tout le temps animée. Et aussi, les formations que vous avez procurées d'abord aux formateurs, voilà, nous avons aussi. On a acquis beaucoup, beaucoup de connaissances avant même d'aller sur le terrain. Donc Oui. voici entre ce qu'on peut dire de ce qu'est voilà la plateforme Youth Conservation et toutes les ressources qui y sont nous ont apporté beaucoup de bienfaits. Bah écoutez, je suis ravie, Mustapha, tant mieux. Ces ressources, c'est vrai qu'à la base, on les a vraiment conçues pour les enfants. Donc, c'est pour ça qu'elles sont très simples, animées, avec des petites vidéos, enfin, très interactives. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure, bah de nos contacts, notamment avec vous, et puis d'autres bénévoles engagés sur le terrain, on voyait qu'il y avait un vrai besoin de formation des formateurs. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en ligne le tutoriel Éduquer à la conservation de la nature sur Mook Conservation pour répondre à ce besoin de formation et puis vous donner plus d'outils pour mener à bien vos actions sur le terrain. Donc, écoutez, en tout cas, merci pour votre feedback. Et j'encourage nos auditeurs à aller sur les deux plateformes pour pouvoir consulter ces différentes ressources. Mustapha, on a parlé du passé, du présent. Maintenant, si on regarde un petit peu l'avenir, est-ce que vous avez des projets pour les mois à venir, pour 2024, voire pour 2025? Ah oui, on a, comme je vous l'avais dit préalablement, en fait, notre plan d'action de cette année est beaucoup plus axé sur l'éducation environnementale. Et je vous ai parlé tout de suite du projet éducation environnementale qu'on met dans les écoles qui actuellement
Nous sommes en phase de finir, d'élaboration des rapports parce que l'intervention sur le terrain a pris fin, parce que actuellement les enfants ils sont en vacances. Et nous sommes sur l'élaboration des rapports. Et en ce qui concerne le reste de 2024, il faut dire qu'il y a le suivi du projet éducation environnementale. Parce que nous, au niveau de Burkina Djiki, ce qui me détermine le plus, ce n'est pas seulement de mettre les actions sur le terrain, mais c'est beaucoup plus le suivi. Donc, nous accordons une importance majeure au niveau du suivi. Et c'est ce que nous allons faire pour le reste de 2024, suivre et voir. Parce que, une parenthèse, il faut dire que l'éducation environnementale, il ne s'agit pas seulement de sensibiliser et de former, mais nous, on accompagnait ça avec des actions pratiques comme des plantations dans toutes les écoles que nous, on est passé. On a planté des arbres après chaque formation. Donc, le suivi est nécessaire pour ces plantes-là, parce qu'il ne s'agit pas de planter, mais de suivre. Il y a aussi ce que nous avons prévu faire dans notre programme d'activité pour l'année 2024. L'organisation de la semaine de l'éducation environnementale. On s'est dit que pour un volet très important comme ça, il va falloir qu'on matérialise, et ça sera sa première édition, de faire quelque chose de concret qui va interpeller, qui va sensibiliser encore beaucoup plus, qui va impacter. Nous avons appelé ça la semaine de l'éducation environnementale, où il y a beaucoup d'activités qui sont inscrites au programme, qui va se clôturer avec la nuit de l'éducation environnementale, où on va récompenser des élèves pendant notre tournoi, qui ont remarqué et qui ont, comment on appelle ça, attiré notre attention dans leur participation, des enseignants, des institutions, et un peu plus même aussi au niveau des universités. C'est l'idée ici, c'est de pouvoir, à titre honorifique, récompenser des acteurs de l'éducation environnementale du plus bas jusqu'au niveau, comment on appelle ça, national. D'accord. Et quand aura Donc, lieu cette semaine? voici. Pardon, je vous ai interrompu. Elle aura lieu quand cette semaine? Cette semaine, c'est juste que c'est en fin d'année qu'on prévoit le faire, naturellement en décembre. On est aussi sur l'élaboration actuellement de tout ce qui est comme la recherche des partenaires, le projet déjà rédigé, la recherche des partenaires, et la mise en œuvre, la formation du comité d'organisation. On l'a déjà amorcé. D'accord, bah, très intéressant. Bah, non, mais on suivra avec intérêt vos actualités sur les réseaux sociaux. Exactement. Maintenant, en ce qui concerne 2025, c'est aussi une continuité de 2024, mais nous, on veut redoubler beaucoup d'efforts dans la sensibilisation et l'éducation des jeunes générations. Pour l'importance effectivement de la protection. Il y a aussi dans notre canevas la promotion des initiatives de sensibilisation. On veut aussi, en plus d'intervenir dans des écoles, proposer d'autres initiatives qui va impacter beaucoup plus que seulement les centres. Il y a aussi la mise en place d'une entité sous forme de consortium au niveau du Burkina Faso sur le plan national. Et fait de telle sorte que non, au lieu que ce soit les associations à titre individuel met en œuvre des activités au profit de l'éducation environnementale, qu'on puisse faire un consortium de minimum une trentaine d'associations pour impacter positivement. Ça, c'est vraiment notre volonté de le faire en 2025. Et on a déjà contacté quelques associations qui ont donné leur accord. Et on pense que ça sera une chose faite. Il y a aussi la création des partenariats qu'on veut. On va plus se limiter seulement aux élèves, mais aussi on va impliquer même les entreprises, parce que l'idée aussi, c'est ça. On va impliquer aussi les organisations pour soutenir financièrement les actions que nous avons dans des projets d'éducation environnementale. Et pour finir, il y a aussi ce volet-là d'impliquer beaucoup plus les communautés locales dans le développement et aussi la mise en œuvre des projets d'éducation environnementale, en respectant bien sûr leurs connaissances traditionnelles et leur mode de vie pour pouvoir
si les enfants sont pas à l'école, même s'ils sont dans la société, qu'ils puissent toujours avoir ce comportement-là, ce réflexe-là de ce qu'ils ont eu comme bénéfice au niveau de l'éducation environnementale. Donc voici, entre autres, ce que nous prévoyons faire dans ce deuxième semestre de l'année 2024 et ce qu'on prévoit aussi en 2025. Merci Moustapha. Bah, écoutez, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite dans ces différents projets qui sont très ambitieux. Moustapha, on arrive à la fin de notre entretien. Auriez-vous un ou deux conseils à donner à nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui souhaiteraient aussi mener des activités de sensibilisation à la préservation de l'environnement? À tous ceux qui veulent effectivement embarquer notre train dans ce processus d'éduquer sur le plan environnemental, on ne peut pas dire des conseils parce que nous aussi, jusqu'à présent, on apprend, on essaie de mettre en œuvre ce qu'on a appris, mais ce qu'on peut partager avec eux, c'est beaucoup plus avoir la volonté parce que tout se repose sur la volonté. Avoir la volonté de faire et comprendre la chose, d'où se former. Parce que nous avons vu sur le terrain beaucoup de personnes qui avaient cette volonté-là, qui comprenaient l'enjeu, pardon, qui avaient cette volonté-là de faire, mais qui manquaient de formation. Donc, déjà, c'est de s'outiller pour pouvoir partager. Deuxièmement, il faut identifier. Moi, je me dis que c'est très important le public cible et parce que les actions qui sont dans l'éducation environnementale sont beaucoup plus sensibilisées avant de passer à l'action. Et quand il faut sensibiliser, il faut connaître son public et quand on connaît son public, on peut adapter son message en conséquence. Il y a aussi l'implication des parties prenantes. Nous avons dans notre projet d'éducation environnementale vu l'importance de l'implication de ces parties prenantes-là, les enseignants, les autorités locales, comment on appelle ça, même les élèves. Il faut travailler à une implication, collaboration des communautés locales et des autorités pour renforcer l'impact qu'on va mettre. Il y a aussi de mettre l'accent sur les actions concrètes. Vous voyez, beaucoup c'est des discours, c'est vrai, mais il faut mettre beaucoup plus l'action, des actions concrètes sur le terrain. C'est pour ça que nous, on avait associé dans notre projet d'éducation environnementale, une fois qu'on finissait la formation des élèves, on les regroupait en cinq, et chaque groupe de cinq avait une plante à planter et à suivre dans son école. Donc, je pense que c'est ça qu'on peut aussi. Et pour finir, il y a le suivi, parce que tout ce qu'on fait, on remarque que c'est un volet très important dans la mise en œuvre de nos projets. La plupart des projets sont mis en œuvre, mais après, il n'y a pas de suivi. Et quand il n'y a pas de suivi, je pense que ça devient le premier obstacle même de la réussite du projet. Donc, je peux dire que voilà, il y en a beaucoup plein de choses qu'on peut partager, mais voici ce que je peux partager avec eux. Et je les invite à le faire parce que c'est anxieusement train qui sait que voilà, on a posé une action et les impacts sont souvent devant nos yeux et ça donne une fierté interne et personnelle. Merci beaucoup, Moustapha, pour votre temps aujourd'hui et pour ce témoignage inspirant, ces nombreux conseils qui, je l'espère, sauront inspirer d'autres organisations à se mobiliser et à mettre en place des actions en faveur de la préservation de l'environnement. Je vous souhaite une bonne journée, Moustapha, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Hélène et merci beaucoup à toute l'équipe de Youth Conservation. Peut-être une parenthèse pour finir, c'est de dire bravo à toute l'équipe parce que voilà, de Burkina Guigui qui matin, midi, soir travaille beaucoup plus à tous nos volontaires, nos bénévoles. Bravo à vous. On voit les actions que vous menez sur le terrain et merci beaucoup et Hélène et au revoir. À très bientôt. À bientôt, Mustapha. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.